Allez, salut tout le monde, c'est Azuric Piracien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 1047 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Alors, normalement 1, 2, 3, 4, c'est ça, il y aura du coup 4 épisodes cette semaine concernant ce let's play. Écoutez, ça nous avancera dans notre carte de Termina, donc oui, parce que souvenez-vous dans l'épisode précédent, on avait continué notre carte de Termina. Si je dis pas de conneries, on avait fait notre arme de niveau 4 avec Midona Front Humaine. C'était avec elle ou pas? Je sais plus. Ah non, avec Link. On avait obtenu une arme de niveau 4 avec Link, il me semble, non? Oh, je sais plus. Bon, on va aller voir. On va aller voir. Déjà, on va scanner nos amis Imbo pour commencer. Voilà. Vous avez reçu un cadeau à Imbo 5000 rubis, ça c'est très bien. C'est très très bien. Vous avez reçu un cadeau à Imbo 10 pierres de soldat. Waouh. On va aller loin avec ça. Tac. Vous avez reçu un cadeau amiibo 10 tolls de monstres. Ouais, youpi, ha, youpi. Fuck you. Vous avez reçu un cadeau amiibo 10 crocs de Dinalphos. Non mais c'est une blague. Heureusement qu'on a obtenu les trucs à 5000. Hein. Vous avez reçu un cadeau amiibo, une cendre d'Ibdoarden. Ça par contre c'est très bien. Je dis pas non parce qu'on en a besoin pour les badges. Bon bah du coup, bah souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait continué notre mode aventure dans la carte de Termina. Nous sommes à 71%, donc il ne reste plus que 29%. Et souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait tout simplement terminé cette case, si je dis pas de conneries, où on avait obtenu l'arme de niveau 4 avec notre cher Link, avec le vrai Link évidemment, et l'habit de fée. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble notre... voilà, c'était la fameuse grande fée céleste DX. Salut Bifix sur Super Smash Bros Ultimate, bonjour à toi. Donc avec 500 de dégâts. Et cette salle, désolé, je ne suis d'heure de manger, donc du coup, l'estomac travaille. Et du coup, les amis, aujourd'hui, alors je vous avais dit, je crois qu'on allait finir ce côté-là, donc je pense qu'on va finir ce côté-là. Donc écoutez, on a déjà du coup cette case-là, dans laquelle nous avons un réceptacle de cœur à récupérer avec notre chère Lana. Et voilà. Voilà, il n'y a pas de... et d'autres. Bousculéa de la course au rubis de niveau 5, et on peut voir qu'en face de nous, nous aurons du coup des âmes de glace. Ah bon, c'est une course au rubis, concrètement, ça va être tranquille. On va utiliser notre chère Lana. Scookid, why not? Écoutez, let's go. Peut-être pas la part d'invocation. Je pense qu'on va prendre notre dragon. Soit dragon de Chiron ou si. Ok, ça. 650 de dégâts. Ah, le problème, c'est que. C'est toujours, c'est toujours le problème. Ouais, allez hop. En plus, il y a un rubis plus donc. On tente. Let's go. Donc je pense que ça va être une case assez courte, entre guillemets, peut-être d'ici 10 minutes. Niveau 5, c'est 10 minutes, non, je pense. Hein. 8 ou 5. Mais je pense que ça sera peut-être plutôt 10. Hein. Ouais. Non, 8 minutes, j'ai rien dit. Ok. Alors, l'âme de glace et des Zelda noirs. D'accord. La Naïmpa. Let's go. La gorge de la neige. Putain, je vous ai dit, il y a quelques épisodes, on la voit jamais. Bah maintenant... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. C'est-à-dire qu'il restera plus que 12 réceptacles de cœur avec elle après. Mais finalement, on la voit tout le temps. La gorge de la neige. Bon, c'est bien, ça me dérange pas. Hein. Tac. Hé, hey, putain, le jonglage. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Voilà, écoutez, nouvelle semaine. Voilà, nouvelle semaine. Matériel, matériel. Convoyeur de rubis. Non. Ok. Toi, tu meurs aussi. Faire très attention aux Zelda noires qu'elles ne défoncent pas le convoyeur de rubis. Et non, t'as pas le temps. T'as clairement pas le temps. Voilà, je t'ai volé le kill. Comment on a volé le kill? D'une façon très honteuse. Voilà. La petite Zelda noire, la petite nourriture.
Ah, elle a quand même eu la convoyeur de rubis, l'autre, hein. Le... Putain. Ok. Elle est à nous. Le convoyeur de rubis. Alors du coup, je m'attends à un boss géant, normalement. Concrètement. Peut-être Mandala. Ouais, on va anticiper Mandala. Mandala ou Goma, peut-être. Un des deux. Non. Voilà. Ah, normalement, après l'annonce, normalement, il y a les boss géants. Donc, ça devrait peut-être pas tarder. Voilà, je m'en doutais. Et c'est le roi de Dango. Ok. D'accord. Ceux qui ont rencontré un problème. What the fuck? Suicide. Roi de Dango, bizarre, ça va être malfaisant. Ok, c'est réglé. What the fuck? Merci. Non! C'est juste que j'ai... Il y a quelqu'un qui m'a dit si vous racontez un problème. Pour ça. Peut-être en bas de YouTube. Ah mais il y en a deux de Roi de Dango. J'ai même pas vu. J'ai même pas vu qu'il y en avait deux. Le problème c'est que le nombre de... Ah là là, c'est bon. Merci. Thank you, food. Le voleur de rubis. Hors de question. Allez. Bravo, congratulations. Il est là-bas, le roi de Dango, il fait sa vie. Allez, s'il te plaît. Fais pas chier, s'il te plaît. Ok, il va faire chier. Bon, c'est quoi? Il y a des moments, il faut lui régler son compte. Hein. Des moments, on n'a pas le temps pour ces conneries. Tac. Ça va, on le défonce bien. One shot, s'il vous plaît. Parfait. Ça m'arrange très bien. Tac. On a plein de rubis. On a besoin de la nourriture, c'est ça qui est bien. Putain, la pute, elle m'a volé le kill. C'est vraiment une salope. Ah, sérieusement. Elle m'a volé le kill, sérieusement. C'est pas gentil. Et voilà. Le deuxième roi de Dango, il est mort. Tac. C'est bon. Putain, merci pour le matériau. Alors je crois qu'on n'a pas obtenu de matériau rare, hein, concrètement. On a obtenu, je crois, ultra rare et énorme et commun. Donc je suis dégoûté un petit peu, concrètement. Je vous avoue que je suis un petit peu dégoûté, mais... Oh putain. Vous savez quoi, on va faire un carnage, hein. C'est moi qui vous le dis. On va faire un carnage, vas-y, venez tous. Parfait, c'est bon, ça m'arrange, vous voyez. Ouais, voilà, donc là, on va vraiment calmer tout le monde, c'est moi qui vous le dis, parce que là, le nombre de rubis, c'est pas normal, hein. Merci. Avoc, ok. Mais c'est une blague. Ouh, doucement. On fait des dégâts, mais c'est pas beaucoup, quoi. Mais ils vont où, là? En fait, ils vont essayer d'éliminer le chasseur de fées et le convoyeur de rubis. Donc, on va l'attendre qu'elles soient tous là. Attention, de pas trop se faire avoir quand même. Tac. Voilà. Déjà, il y en a une certainement moins. Ou pas. Et voilà, niveau 109, c'est bien ça. Il y en a une autre à moins.
On va pouvoir lui voler des rubis, hein. On va leur voler des rubis, hein. Voilà, encore des rubis. Tac. Encore. Ça vous a pas suffi, là? Merci. Le voleur de rubis. Un de moins. Voilà, une Zelda de moins aussi. Une Zelda de moins. Voilà, on les a bien descendus en termes de rubis. Ah, parce que là, ça commençait à poser des petits soucis d'ordre technique. Tac. Material. Allez, le petit conveyeur de rubis. Ça, c'est parfait. Bon, bah écoutez, pour le moment, on s'en sort très bien. Donc là, à mon avis, voilà, tous les Zelda noirs vont revenir. C'était 100% logique, voilà, la deuxième. Il y en a 4, normalement, total. Non. Voilà, ne voile pas le kill. Tac. Et voilà, allez, s'il te plaît. Alors, la seconde, voilà. En fait, j'essaie d'avoir un matériau, mais c'est que vraiment les matériaux commencent à être compliqués à obtenir là. Ils veulent pas me les donner. Le convoyeur de rubis. Non. Tac. Il y a eu l'optimisation. Et voilà le dernier. Bon, il m'a rien donné. Bon, bah écoutez, tant pis. Hein. On aura fait un bon petit ménage en tout cas. Ah, on aura fait un bon petit ménage. Et nous avons du coup notre réceptacle de cœur avec Lana. Donc plus que 12 avec elle. Voilà. Plus que 12. Et merci. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur. Votre énergie vitale est augmentée d'un cœur. Et ça, c'est très bien. Ouais, bah plus que 12. Avec notre chère Lana. Putain, on était proche du 666 pour l'autre. Hein. On leur a mis une branlée. On leur a mis une branlée. Hey! Alors, merci, 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 merci. Alors, 3800 rubis, 7900 rubis, 5200 rubis, 2500 rubis, 5500 rubis, 5100 rubis, 3800 rubis avec une tierce de Zelda, une minerai du roi de Dango, une lanterne d'âme, 3 bijoux de 13 Zelda, une griffe du roi de Dango, 6 souffles d'âme de glace, 5 colliers d'âme et 3 cartes de maître Salfos avec une graine Pégase, 2 sources eau de source chaude. Et enfin, 2 eaux de source. Bien, merci pour obtenir la masque de la vérité. Bah écoutez, on s'arrête. On va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouvera pour l'épisode prochain dans lequel on ira s'attaquer tout simplement à cette case. Voilà, dans lequel nous avons du coup 2 scutulators à récupérer. Donc voilà, donc on fera ça dans l'épisode prochain. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 1047 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. Et on se dit à l'épisode 1048. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.